Et coucou les amis, c'est Monsieur Zombificator, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir d'après le titre, nous allons changer une façade sur une PS5. PS5 que j'ai fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une nouvelle façade. Celle-ci, voilà. Alors c'est une Five Hide. Alors c'est pas PlayStation officiellement qui les fabrique. Elle m'a quand même coûté 49€. Mais c'est un bleu Galaxy. Je trouve ça assez stylé. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ça pour déballer la coque. Mais bon, bien évidemment, on aura besoin d'autre chose. De la fameuse PS5 qui est ici. Hop là. Donc la petite PS5, la voilà. Donc du coup, alors il y a un petit problème. C'est que si votre PS5, vous la mettez comme moi à la verticale, il va falloir que vous démontiez le cache juste en dessous. D'ailleurs, on va profiter pour la nettoyer. Donc une petite bonbonne d'air. Donc là, j'ai pris un tournevis. Donc on va mettre un petit embout plat comme celui-ci, qui me paraît pas mal. J'ai déjà chaud. Alors que la vidéo elle commence à peine. Donc voilà, là je dévisse. D'ailleurs j'ai pris un embout peut-être un peu trop petit, mais bon c'est pas grave. Voilà, j'ai eu peur, la console a failli tomber. Donc voilà, on a un embout plat comme ça. Donc je sais pas si sur les premières consoles il est à étoile. Celui-ci est plat, donc je sais pas si on le voit bien. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, eh ben on va aller ici, de ce côté-là. Donc on a un embout, on a un logo PlayStation ici. Donc il va falloir tirer et en même temps pousser vers le bas. Je sais pas si je vais le faire coucher, ce sera mieux pour vous peut-être. Voilà, comme ça. Donc en fait, il faut, voilà, comme ça. Donc il faut tirer là, vers le logo, vous tirez le logo ici, et vous poussez vers en bas, voilà. Donc là, on va mettre un coup de bonbonne d'air, forcément. Alors l'autre côté, c'est pareil, vous avez le lecteur ici, là. Donc il va falloir, pareil, tirer. Est-ce que c'est pas ce côté droit qu'il faut tirer? Donc là, dès que vous avez le lecteur ici, en fait, vous tirez pas de ce côté-là, là où c'est creux, en fait. Vous tirez plutôt ici. Ce côté-là, voilà. Parce que, pour ne rien vous cacher, c'est la première fois que je démonte la coque aussi. J'ai dû suivre un tuto vidéo. Alors, une fois que ça c'est fait, ben, on va déballer la nouvelle façade. Ah, voilà, les fameuses façades. Alors, je tiens à rappeler que ce n'est pas fabrication Sony officielle. C'est un autre constructeur, donc je sais même pas si c'est légal. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Oh, c'est plutôt pas mal, hein. Ça fait une belle couleur. Ça fait un bleu océan, j'aime bien. Alors ensuite, on a celle avec la façade officielle. On peut voir. Ah ouais, non, il n'y a même pas le logo Sony, en fait. En fait, il y a un logo de tête de mort. T'as le logo Sony d'un côté, et là, t'as le logo comme ça. Mais c'est la même taille, ouais. Ah si, si, c'est la même taille. C'est juste que là, nous, sur la nôtre, on a les bords arrondis. Et ici, on a les bords un peu plus en angle, en fait. Alors, on va essayer de le positionner correctement, avec l'accent du sud. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, hop là, eh ben c'est parfait mon gars. Regardez-moi ça, magnifique. Bon, les amis, donc voilà, la console est branchée. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer, on va voir ce que ça donne. Donc pour ça, j'ai pris la manette, voilà, qui est juste ici. Donc allez, c'est parti. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Regardez-moi cette couleur bleue qui passe dedans. Trop stylé. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, parce que là, on a le logo tête de mort ici. Mais là, il y a la petite marque de l'entreprise. Bon ben voilà, du coup les amis, donc moi j'étais, du coup, vu que j'ai allumé la console, je me suis dit je vais jouer, donc je vais vous laisser. Donc je sais pas si vous pouvez voir là sur l'écran, mais ouais voilà, c'est un peu bleuté, mais parce que mon écran il a un problème aussi, mais je vous rassure, il est pas aussi bleu que ça, mais du coup voilà, j'ai ma liste de jeux et je vais pouvoir voir ce que je vais installer et jouer, tranquillou biloute. Donc oui, j'ai Elden Ring sur la PS5 forcément, donc je pense que je vais me lancer sur ça. Et du coup, moi je vais vous laisser tranquille et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à même vous abonner et activer la petite cloche si vous avez kiffé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur l'univers PS5, Xbox ou quoi. Parce que j'ai aussi une série X que je compte customiser si c'est possible plus tard. Donc je verrai si je fais moi-même la coque avec la peinture et tout. Donc du coup voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut à tous, peace.